Ma question s'adresse à M. Sabin. Après le bug, il y a la fiabilité du chiffre en question qui fait un grand petit agenda il y a quelques jours. En effet, après avoir annoncé une baisse de près de 50 000 chauffeurs en route, tous ces paquets vous avez déclaré et résulté d'une aberration statistique, je cite. Vous avez été contraint de reconnaître l'erreur en constatant qu'elle était en fait de 25 000. Vous êtes tellement occupé par cette promesse présidentielle de voir la courbe du chômage s'inverser avant la fin de 2013 qu'on vous sent paralysé et fragile. Vos ondes de commission pourraient-elles perturber le réseau social? Mais j'ai bien conscience que le sujet est trop grave pour le traiter dans la division. Dans ce contexte, où le combat pour l'emploi doit être notre première priorité, ne voyons ni cap, ni stratégie, ni orientation. Et les Français sont inquiets et doutent. Ils doutent parce qu'ils sentent chez nous comme un abus d'impuissance à attendre la fin de 2013 pour voir un hypothétique retournement de tendance de la courbe du chômage. Ils doutent que vous mettiez en place, dans le secteur productif et avec les entreprises de toute taille, des conditions et des dispositifs permettant d'endiguer la montée du chômage. Ils doutent encore quand ils constatent que vous avez une nouvelle fois l'aveuglement privilégié des multiples hausses de taxes et d'impôts, si les particuliers que dans les entreprises, en travaillant par la même leur capacité à embaucher. Qualité de bugs en plaque qui crée doute et angoisse pour l'avenir, nos concitoyens ont plus que jamais besoin que soit clairement attiré un cap pour l'emploi, afin de retrouver espoir et confiance. Monsieur le ministre, pouvez-vous essayer de nous expliquer, sans adopter la gestion claire que vous faites ici, quelle est aujourd'hui la stratégie de votre gouvernement pour combattre le chômage? Et quelles sont les conditions mises en œuvre pour favoriser le maintien et la création d'emplois, notamment dans le secteur productif? Emploi, je rappelle, non financé par la dette, comme peuvent être les emplois des Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, je vous appelle Monsieur le Sénateur. Sur un sujet aussi sérieux que celui-ci, je pense qu'il vaudrait mieux éviter les effets de caricature ou de politique. Nous ne serait-ce que partout de faire attention à cela, parce que le chômage augmente chaque mois, tout le mois de février, qui reviendrait depuis 5 ans. Et qu'on peut comprendre que les Français, face à ce chômage, chaque mois, frappe plus en dehors de l'incrédulité, une forme de perte de confiance dans les politiques menées par les arts et par les autres. La confiance revient, monsieur le sénateur, et je vais vous dire pourquoi. Mais je vais d'abord répondre à ce que vous avez fait vous-même, le bug de SFR. Si je comprends un peu, c'est le genre d'artisan dont un ministre du Travail est un stress de l'autre. Pour quelle raison? Parce que tu vois un sujet aussi important que celui-ci, c'est Mme de Brossia qui a regardé le passé, j'ai vu que malheureusement, y compris pour le nom de l'équipe du travail, ça n'était pas la première fois. Je souhaite que ce soit la dernière fois, car ce n'est sujet aussi identique, aussi nécessaire au jugement objectif des actes des autres, de l'opposition comme de la majorité, et particulièrement des plus âgés, je ne veux pas que les chiffres soient discutables, tout regardables, comme ils ont pu l'être par le passé, comme j'en ai fait la remarque immédiatement, ils ont pu l'être sur le point de vue. Donc, j'ai demandé la clarté, j'ai obtenu la clarté, les responsabilités sont établies et la correction a été faite. Et monsieur le sénateur, je suis à travers cette correction. Elle fait à travers que pour la première fois, depuis 27 mois, il n'y a plus de baisse du nombre des chômeurs globalement. Vous avez plus de
Je vais vous donner une idée.